Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message de ce mardi 23 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on démarre avec la petite philosophie du matin. Quand il est temps, mais oui, quand il est temps, eh bien, de vive voix, par téléphone, par mail ou dans une lettre, dire chaque jour à un ami ou à un membre de sa famille, eh bien qu'on pense à lui et qu'on l'aime. Quand les gens ne sont plus là, il est trop tard, n'est-ce pas, pour leur confier l'importance qu'ils avaient à nos yeux et l'amour qu'on leur portait. Voilà la petite philosophie de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le 8 d'air. C'est une lame, une carte mineure. La suite d'air qui représente l'intellect. Et dans le tarot traditionnel, c'est la suite des épées. Elle se concentre sur les nouvelles idées éblouissantes, les choix inspirés et les capacités de communication qui permettent de se rallier tout le monde. Cependant, la suite d'air décrit également les périodes où l'on est en conflit avec les autres, incapable de prendre une décision ou coincé dans sa propre négativité. Puisque c'est la suite du mental, elle reflète également les moments de peur ou d'inquiétude. Le 8 d'air. Il n'y a aucune raison de rester dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse. Votre conviction d'être coincé est juste une illusion. Si vous vous débarrassez de vos craintes et cessez de vous concentrer sur les difficultés, les occasions de libération se révéleront d'elles-mêmes. Il faut peut-être arrêter de vous victimiser. Prendre des décisions, peut-être des décisions radicales, et sortir de votre zone de confort. Peut-être que votre ego, il n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Probablement, puisque votre ego, avec votre ego, vous avez la peur, vous avez un manque de confiance en vous. Votre ego, il vous dit « tu n'y arriveras pas ». Tu ne sauras pas y arriver. Alors débarrassez de ces craintes. Vraiment, il est important, même si vous devez prendre des décisions que vous ne voulez pas prendre, mais qu'il faut que vous preniez, parce que ça sera salutaire pour vous. Vous êtes présentement dans une situation inconfortable. Où vous n'êtes pas heureux, heureuse. Donc, lorsque on est dans une situation inconfortable, on fait en sorte qu'elle devienne un peu plus confortable. C'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Ce qui se passera après les décisions qu'on prendra, mais ça ne sera de toute façon certainement pas pire de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Réduisez au silence les messages incessants, vraiment de votre ego. Ben oui, votre ego, il est là, qui vous croit et qui vous dit incapable de changer votre vie. Mais si vous êtes capable. Ce que votre ego vous dit, c'est faux. Avec de la confiance en vous et de la détermination, et pour peu que vous croyiez en vous-même, croyez-moi, vous pouvez bel et bien influer sur votre situation. C'est le moment de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre le gouvernail de votre bateau. Il est important de prendre une décision sur la situation présentement que vous vivez.
parce que vous n'êtes pas heureux, parce que, voilà, vous êtes malheureux, et il faut vraiment que vous vous débarrassiez de ces craintes que vous avez et de vous concentrer sur les difficultés que vous êtes en train de vivre. Vous vous sentez peut-être impuissant, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous sentez peut-être dans une confusion. Prenez les décisions nécessaires. Arrêtez de vous voir comme une victime, parce que là, jouer la victime, vous n'avancez pas et vous ne prenez pas de décision. Vous avez peut-être peur d'agir. Et vous avez peut-être aussi peur de retrouver votre pouvoir personnel. Mais tout ça vient de ce manque de confiance en vous. Reprenez confiance en vous, reprenez votre vie en main. Votre vie vous appartient dans n'importe quel domaine que vous vivez. Présentement, il y a une grande décision à prendre. Cette carte de sagesse, eh bien, la clarté de votre vision dépend de votre volonté de prendre votre vie en main. Laissez ce bel archange Chamuel vous aider, parce qu'il peut vous aider, mais encore une fois, si vous ne le sollicitez pas, il ne viendra pas à vous. Ce bel archange Chamuel vous aidera à faire dès maintenant l'expérience, eh bien, de l'éveil. Implorez-le. Et l'archange Chamuel, son nom signifie les yeux de Dieu. Pour cette raison, eh bien, cet archange, il est appelé quand on cherche un objet perdu ou toute autre chose, quand on cherche peut-être, par exemple, un nouveau partenaire amoureux, une maison idéale, c'est aussi avec lui qu'il vous faut travailler. Si vous essayez de pacifier un domaine de votre vie ou si vous voulez prier pour la paix, dans votre entourage, dans votre ménage, la paix en vous. Chamuel peut vous aider, donc ne manquez pas à lui demander, il se fera vraiment un grand plaisir de venir vous aider. Et bien voilà pour le message d'aujourd'hui, et je termine par l'affirmation positive, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je m'autorise à dire non aux autres et oui à moi. Eh bien, écoutez, regardez un petit peu quelle belle synchronicité avec cette carte, cette lame que je viens de dire. Voilà. Je suis émue parce que cette lame me fait penser à moi il y a X années, et c'est pour ça que je vous dis quand on veut, on peut, et reprendre confiance en soi, on peut y arriver. On n'aura peut-être plus la même vie qu'on avait avant, mais quel bonheur d'être libre physiquement et d'être libre dans sa tête. Donc je m'autorise à dire non aux autres et oui à moi. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.